Bon, je vais pas tant parler avec toi. On a des témoignages disant que t'étais là le soir du crime. Les caméras de surveillance sont filmées, la victime a fait un portrait robot de toi à la perfection. Alors à moins que t'aies un alibi en or, tu vas finir en tôle, mon pote. C'est pas moi. C'est tout. Wallah, c'est pas moi. Mais ça suffit pas, y a des preuves, des réelles preuves contre toi, tu peux pas juste nier. J'étais en date, j'étais au bowling. On va l'appeler, comment s'appelle la fille? Charlie. D'Amelio. La tiktokeuse. C'est un charme fou quand même, hein, c'est pas... Écoute, la victime t'a décrit, elle a même décrit la façon dont tu parles. Ah non, vraiment, moi je parle un peu différemment quoi. C'est extrêmement raciste même pour un sketch, pardon. Écoute, je crois que t'as pas bien saisi la situation là. On cherche pas le coupable, tu es le coupable, on cherche à réduire ta peine. Non mais la meuf, je la connais pas, c'est une rageuse. Moi peut-être que ce soir là, je sais pas, j'étais dans le quartier, je passais, tu vois. Mais quand tu veux dire quartier, tu veux dire son salon. Mais jamais de la vie, je serais venu dans son living room. Tu y as laissé ta veste. Putain, vous l'avez récupérée? Parce que moi, je l'ai emprunté sous caution, c'est à mon frère, et c'est chaud aussi. Mais merde, mais assume quoi, sois honnête. Tu l'as agressé, sois honnête. Tu dis plus rien. Oui, mais je suis honnête. Bon, stop, ça suffit. Tu me fais perdre mon temps. On a le portrait robot, on a les témoignages, on a la caméra surveillance. Donc si tu plaides coupable, il y aura une réduction de peine. Mais si tu t'entêtes à me faire perdre mon temps, à tourner autour du pot et à casser les couilles, tu vas prendre perpète et tu l'auras mérité. Donc maintenant, sois honnête. Est-ce que oui ou non, tu l'as agressé? En fait,